Hey, ciao les loulous! On se retrouve ce soir pour une petite avant-première. Je les ai reçus tout à l'heure. Les XY Tidal Storm, première édition japonais sortie il y a quelques jours au Japon. Je les ai reçus ce matin. Trop beau! Trop trop beau! Donc, ici. On a la boîte. Donc là, on est bien XY5, première édition. Hop, un mille obélus, sympa. Je sais pas qui c'est. Faudra me dire. Je suis pas un expert des Pokémon de la nouvelle génération. Donc là, on voit bien que 1995-2014 Pokémon, c'est bien des officiels. Un Kemors, un Kyonotor, normalement. Donc voilà. Petite avant-première, ça fait vraiment plaisir. Donc on va bien les sceller encore. Si jamais je vais encore faire d'autres ouvertures, j'en ai reçu d'autres. Tip top. Alors, hop, je vais commencer par ouvrir le magnifique display. Et puis on peut voir ici notre petit ami Dracaufeu que j'ai fait en papercraft ces derniers jours. Je vous ferai une petite présentation à la fin de l'ouverture. Quoique. Non, je vous le montre maintenant. Regardez ça. Superbe Dracaufeu. Je vais l'enlever ça, comme ça vous pouvez le voir un peu mieux. Hop. Tout fait en papercraft. Il est laqué. J'utilise la colle blanche. Tout simplement. Voilà, avec la méga flamme à l'arrière. Tip top. Donc, si jamais vous voulez savoir où j'ai trouvé les scans, etc., pour faire ça. Vous pouvez sans autre m'écrire un petit com. Ça, Dracaufeu, il veille au grain ici. Alors, hop, on se retrouve avec Tidal Storm. Ah. Ça, c'est assez exceptionnel. Hop, ça sent le booster neuf, quoi. Donc là, on a le. Je ne sais même pas qui c'est celui-là. Attendez, je vais regarder. Primo Kyogre? Ouais, non, Primo Kyogre. Ouais. Je ne sais pas. Il faudra me dire exactement. Qu'est-ce que c'est? Alors. Tac. Je suis vraiment pas un expert de ces Pokémon-là. Alors, hop, nickel. Là, j'ai le petit ciseau pour ouvrir le booster. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Comme ça, je vous fais une petite présentation du booster. Alors, bien XY5. Magnifique. 5 cartes à l'intérieur. Tip top, XY. Ici, on a tout. 70 cartes, plus je ne sais pas combien de rares, enfin de secrètes. Tip top quoi, Unisell in Japan, première édition, parfait. Alors. Voilà, j'aurais peut-être dû ouvrir les boosters avant, mais bon, je vais me speeder. Alors, pour la première pioche, je vais regarder où est la rare, comme ça, je pourrais faire. Alors, ouais, je vais regarder où est la rare, comme ça sera plus simple. Alors. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est celui qui est sur l'illustration, mais je sais pas du tout. On va peut-être m'aider. Alors, nickel. Celui-là non plus, je sais pas. Purée, il y a beaucoup de Pokémon que je connais pas. Hippotrempe, première génération. Ah, elle est vraiment sympa l'illustration, quoi. Star Wars, waouh. Waouh, Star Wars, cool. Petite macro. Ah, elle est bien, elle est jolie Star Wars. J'aime bien avec le diamant au milieu, c'est sympa. C'est une peu commune. Alors, macro. Hop. Waouh. Ça, c'est les anciennes traits comme il parlait là. Waouh, superbe. Superbe. Ah, j'aime bien comme ces trois quarts de la carte, comme ça, c'est vraiment top. Ils sont en pleine action, on voit qu'il y a vraiment. Il y a du mouvement. C'est bien. Oh là là, joli. 16 sur 70. Ok, d'accord. Donc la rare, c'était quoi? Alors, Unco, commune, commune, commune.
Ok, d'accord, donc ça devait être celle-là, je pense. D'accord, autant pour moi. Et puis là, on a... Alors, je vais enlever ça plutôt là. Hop, on a une carte, j'imagine, de présentation pour les jeux sur 3DS. Ok, sympa. Et puis ça doit être... Ouf, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Vous pourriez m'expliquer si jamais dans les commentaires, ça c'est intéressant. Ok, d'accord. Je sais pas si c'est les codes online japonais ou je sais pas. Pas du tout. D'accord. Si c'est un code, il est pour vous. Alors, deuxième booster. Je vais accélérer un peu le rythme, histoire que la vidéo ne fasse pas 50 minutes. Alors, ça. J'imagine que c'est comme ça. Là. Alors, ici, ça non plus, ça doit être Azumarill. Azumarill. L'évolution de Maril. Il a l'air tout inquiet. Waouh, Tentacruel. Sympa. Oh, avec 100 PV d'attaque. Badass. Commune. Étonnant. Ça, je sais pas non plus qui c'est. Yanmega, non? Ou je sais pas du tout. Je regarde ça. Waouh! Tentacool cool en ancien trait. Ancien trait. Sympa. Oh. Et maintenant la rare. Waylord X! Wouhou! Excellent. Une X. Top. Ah, ça fait plaisir. Waouh. Alors, les petits pochettes, tout de suite. Alors, pour ceux qui demanderaient au cas où j'utilise des pochettes ultra pro, c'est les pochettes pour deck. Je les trouve vraiment, vraiment bien, elles ont une certaine forme, elles tiennent bien. Tac. Waouh, superbe carte, superbe carte. Vraiment content. Alors, on accélère. Troisième booster. Hop, alors celle-là, je vais mettre celle-là devant. Petite macro. Alors, une dresseur. Pack d'eau Volvic. Non, je rigole, je rigole. C'est un pack d'eau, un pack de 6. Je sais pas, ça doit être pour régénérer les PV, j'imagine 20. Ok. Alors, ça non plus, celui-là non plus, je connais pas du tout le Pokémon. Celui-là non plus. Oh là 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 là. Celui-là non plus. Voilà, c'est cool, Mimi. Et puis là, là, là. D'accord. Ok. Ça doit être Rappel Max ou. Je sais pas exactement. Ah, je connais vraiment pas bien cette extension. Hop. Hop. Tac. Alors, ça doit être un Lucario. Non, c'est pas Lucario, c'est Lanterne. Lanterne, quelque chose comme ça. Kémorse. Coconfort. Ah, il est cool. Kyonator. Oh! Non, c'est pas possible la secrète. C'est pas vrai. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Non, c'est pas vrai. Regardez ça. Le Saint Graal qui vient d'atterrir dans ma main. Le Saint Graal. C'est une des secrètes. Oh là là. Magnifique. Je pense que je suis le premier à la tirer sur YouTube, j'imagine. Là là, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, vite une pochette pour celle-là. Oh, elle est magnifique. Oh, c'est. Alors là, ça commence bien, franchement. Ça commence plutôt bien. Une ex et une secrète.
pas une secrète, une méga ultra rare, je sais pas comment elle qui codifie chez au Japon. Alors là, ça fait vraiment mal. Les amis, franchement, c'est assez fou. Je m'y attendais pas du tout, j'ai rien senti sous les doigts, c'est vraiment fou quoi. Alors on continue avec, je sais pas, 66 ou 77, c'est un dresseur pirate dans les catacombes. Attention à vos moussaillons. Un barpo. Ah, celui-là, on l'a assez vu. Hein. XY, barpo, barpo, étincelle, barpo. Oh! Ancienne trade de nouveau. Ah, elle est belle celle-là. Ah, elles sont vraiment cool. Ils ont bien fait de faire des illustrations comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir. Mais en tout cas, vraiment cool. Et. Ah non, c'est pas encore là. Tip top. Alors, ça, je sais pas non plus qui c'est. Astico des mers. Avec des moustaches. Et là, voilà. Oh, une je sais pas non plus qui c'est. On dirait Jabu de Zelda Ocarina of Time pour ceux qui connaissent. Jabu. Alors, pas glorieux comme booster. Mais bon, vu ce que je viens de tirer, je crois qu'il n'y a pas trop besoin de demander quelque chose de supérieur. Juste pour ça, c'est déjà épique. Hop. Alors, ça doit être un lien spirituel, primo. Primo Gourdon. Non, qui autre? Primo. Je sais pas. Primo Kyogre, c'est ça. Voilà. Alors, je sais pas non plus si là, comment il s'appelle. J'ai oublié. Qui pourrait être on l'a vu tout à l'heure. Je sais pas non plus, arachnide, un truc comme ça. Et là, ah, un Kémos. C'est bizarre, on a toujours pas poulé une holo. J'aimerais bien voir ce que ça donne, les holo. N'hésitez pas à dire vos premières impressions par rapport à ces ouvertures de XY5 en japonais, première édition. Lui non plus, je sais pas qui c'est. Non plus. Aspica. Escarpince ou écrapince. Waouh! Et encore une ex. Waouh, superbe. Sharkado? Non. Bah, vous me direz si jamais ce que c'est. Waouh! Oh, c'est vraiment du joli pool. Là, ça fait plaisir. Jusqu'à maintenant, je suis pas déçu. Tirage assez exceptionnel. Hop. Waouh, on commence avec un ancien trait. Ancien trait. Alors, celui-là, on l'a eu aussi avant. Oh, une deuxième. Oh, c'est super. Le Kenator en ancien trait. Magnifique. Je sais pas non plus qui c'est. Lui non plus, alors attention, waouh, Hypocéan en holo, ancien trait, waouh, superbe, oh là là, c'est quoi cette pioche, oh là là, ça fait vraiment plaisir, j'essaie de les mettre pour pas que ça vous éblouisse, donc pour l'instant, une holo, deux ex, et une secrète. Plutôt cool. Franchement, ça fait trop plaisir. C'était vraiment Noël ce matin que j'ai reçu les boosters. C'était vraiment Noël. Hop. Waouh. Une énergie fée. Un ovale. Ouais, il est cool celui-là. Il a bien l'air de s'éclater en tout cas. Avec le dresseur derrière, je sais pas. Il le rappelle, il a l'air... un petit peu peut-être inquiet. Tentacool de nouveau. Je sais pas ce que c'est celui-là. Et là, une dresseur un peu commune. Un professeur qui court. Là, on continue. Zing. Bing, bing.
Alors, ça doit être une arène, j'imagine. Je vais me rapprocher un peu. Alors, une arène. Hypocéan en version normale. Maril. Maril. Starry. Waouh. De nouveau une océan très. Paolo cette fois. Sympa. Je ne connais pas le Pokémon, mais j'aime vraiment bien ces cartes comme ça. Combien il reste de booster? Alors, 2, 4, 6, 8, 10. On en est à la moitié, les loulous. Donc, je pense que la vidéo ne doit pas tourner autour des 30 minutes. Poussifeu. Hop. Waouh. Une Pokéball, mais je sais pas laquelle c'est celle-là. Rapid Ball, je sais pas. Celui-là non plus, je sais pas. Toujours pas. Que nota. Et puis là, waouh! Escarpins ou écrapins en holo. Hop. Alors, booster suivant. Océan, Hyporoi, j'imagine. Celui-là non plus, je connais pas. Tentacruel, celui-là non plus, je connais pas. Puis là, waouh, Milabellu solo. Ouais, un bon raid d'holo là. Ça tombe bien. Cool. Hop, une holo en plus. Ah, là, il est vraiment bien représenté, Milabellu. Superbe. Il faut faire attention avec ces boosters parce que si vous descendez pas les cartes avant d'ouvrir le sachet, oh, vous êtes keen là, c'est fini, vous coupez la carte et c'est raide. Alors, ça je sais pas non plus qui c'est. Non plus, qui n'était ancien truc. Pablo. Marpo. Et puis là, waouh! Un nouvel ancien très holo. Waouh! Super, magnifique ces cartes. Ah, elles sont vraiment belles. Ah là 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 là. J'adore cette série. Là 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 là. Alors. Booster suivant. N'hésitez pas à m'écrire un email si vous avez des questions, des demandes, des choses à voir. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors, Delcati, Dardargnon, on avait vu Aspicoc au confort, et voilà Dardargnon. Tentacool, on s'en trait. Ça, je sais pas non plus, c'est un coquillage avec des perles, non. Et derrière, un Azumarill. Un peu comme ça. Allez, on entre dans les 6 derniers boosters. Tac. Hop. Petite full art, ça passerait bien là. Les gars qu'on demande trop. Voilà. Alors, tempête océanique. Je déconne. Coconfort. La larve d'eau de mer à moustache. Le ver luisant. Et attention. Hop. Waouh. De nouveau, un ancien trait. Super. Badass, quoi. Vraiment cool. Ultra neuve. Super. 5 derniers boosters. Une full art. Une full art. Une full art. Une full art. Alors, corde sortie, j'imagine. Kimos. Monsieur Mime. Haha. Monsieur Mime.
Starry. Et pour finir, waouh, super Azumarill en ancienne trait holographique. Oh, elles sont désolé pour les gros mots, je m'excuse. Mais elles sont magnifiques ces cartes. Ah là 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 là. Elles sont vraiment belles. Hop, une foule là, Lanterne, Aspicor, Hypocéan ou Hyporoi, je sais jamais. Waouh, c'est un très nouveau. Et là, Kimorse en peu commune. Vous me dites si j'ai des modifications à faire, si vous m'entendez bien, si elles sont, tout va bien. Et puis, si jamais il y a des gens qui se demandent d'où vient mon petit accent, c'est parce que j'habite en Suisse. C'est pour ça que j'ai l'accent. Tu vois, quand même. Alors, Gardevoir, ça doit être lien spirituel Gardevoir, j'imagine. Marill. Écrapince. Je sais toujours pas. Wow, encore une ex. Oh, ce display de fou. Gardevoir ex. Ah, c'est vraiment un display de malade. C'est vraiment un bon display. Alors, celle-là. C'est pas la secrète, non. Ça, c'est une ultra rare. C'est bien la X. C'est bien la X, ouais. Tip top. Là. Deux derniers boosters. Alors là, si je tombe encore une ultra, alors là. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je pense qu'il faut que j'ouvre encore plus de cartes. Delcati. Obali. Lanturne, c'est possible. Je sais toujours pas. Et... oui, je sais pas non plus. Alors, dernier booster, les amis. Les loulous. De cette ouverture en avant-première de Tidal Storm. Hop. Tac. Alors, on commence avec un Starvos, un Nénuphar coin-coin, Hippotran, Tentacruel, et on finit sur une holo, ça passe bien. Je sais pas non plus le nom. Alors voilà, cette magnifique ouverture. Alors je vais vous faire une petite récap vite fait maintenant. Comme ça, je vous embête pas. Hop. Alors, dans ce display, nous avons eu un écrapince holographique. Sympa. Milobelus. Holo. Celle-là, elle est vraiment cool. Lui, je sais pas du tout, je me rappelle plus. Aussi sympa comme l'eau. Et là, on commence les anciens traits avec Hyporoi. Ça, c'est vraiment... celle-là, elle envoyait vraiment du lourd. Mais alors, tellement sérieux en plus. C'est moi le roi de l'océan. Lui, je sais pas, il faudra m'aider. Mais aussi bien badass, en mouvement, en pleine attaque. Cool. Azumarill. Superbe. 100 PV en holo. Ah, vraiment bien. On a eu en ex. Je sais pas le nom. Sharkendo. Je sais pas. En tout cas, on dirait un requin. En ex. Gardevoir ex. Vraiment joli. Brillant tarot. Ça veut dire flèche brillante. Par contre, je ne parle pas le japonais. Enfin, je le lis pas. Wailord ex. Et la surprise du jour. Oh là là. La secrète. Une des deux secrètes dresseurs en or. En or, les amis, en or. Attendez, je vais juste faire ça comme ça. Je vais sortir. Hop. Parce que le point devant, moi, ça me dérange. Voilà. Super.
Voilà, bah, c'était vraiment sympa. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que je vais ouvrir encore deux autres displays en vidéo. Donc, bah, je les réserve d'ici 1 ou 2 jours. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai vraiment pris du plaisir à vous faire cette ouverture de XY5 de la série A ou B. Je ne sais pas laquelle est là-bas, A, laquelle est la B. Mais en tout cas, voilà un peu le rate. C'est vraiment sympathique. Alors moi je vous dis à ciao, bonsoir, et n'hésitez absolument pas à m'écrire un petit email. Ciao les loulous!